Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math Eddy. Aujourd'hui, je démarre une série de vidéos sur la géométrie dans l'espace pour les classes de 3e. Et nous allons étudier deux solides, les pyramides et les cônes. Et on va commencer aujourd'hui par les pyramides. Donc, pour cette première vidéo, on va voir ce qu'est une pyramide et les éléments remarquables dans une pyramide. Donc, c'est parti. Premier point, définition. Donc, on va définir ici, c'est quoi une pyramide? Donc, une pyramide est un solide constitué de deux points à la ligne, premier tiré. On a une base qui est un polygone. Donc, je vais vous expliquer tout ça après. Un polygone. Deuxièmement, deux faces latérales en forme de triangle qui se rejoignent en un seul point appelé sommet. Et on a donc finalement un sommet. En plus. Voilà. Donc, dans une pyramide, on retrouve une base qui est un polygone. Un polygone, c'est une figure géométrique plane, fermée, donc constituée de petits segments, et donc il est fermé. Ok? Il peut avoir plusieurs côtés, comme il peut avoir trois côtés. Ok? Trois ou plusieurs côtés. De face latérale en forme de triangle, ça c'est important. Et ils se rejoignent en un seul point appelé le sommet. Donc ça, je vais vous montrer dans la simulation. Je vais vous montrer des exemples de polygones et un exemple de pyramide à base carrée. Et on va essayer d'identifier les éléments remarquables qu'on a vus précédemment et aussi d'autres éléments nouveaux que je vais vous présenter. Exemple de polygone, on a le triangle. Le triangle, c'est un polygone. Car il a trois côtés et c'est fermé. On a aussi le carré qui est un polygone, quatre côtés fermés. On a le rectangle qui est un polygone, quatre côtés fermés aussi. Et on a ce qu'on appelle un pentagone. Donc c'est une figure géométrique plane qui a cinq côtés fermés. On l'appelle un pentagone. Mais ce qui va nous intéresser ici dans le cadre de ce cours, ce sont les polygones. De trois côtés et les polygones de quatre côtés, c'est-à-dire les triangles, les carrés ou les rectangles. Je vais prendre ça comme des exemples qui peuvent me servir de base de pyramide. Et vous voyez, quand on parle de base, c'est ils sont sur le sol en quelque sorte. Okay? Le sol peut être représenté ici par les carreaux que vous voyez. Et à partir de ces bases, je vais construire ma pyramide. Je vais construire une pyramide à base carrée. Et donc, dans cette pyramide, vous voyez, on a ce qu'on a vu tout à l'heure des faces latérales. On a aussi la base et le sommet. Et le sommet ne se trouve pas dans le même plan que la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère ici un plan, alors le sommet se trouve en hauteur par rapport à la base. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on dit que le sommet ne se trouve pas dans le même plan que la base. Parce qu'il faut que je quitte la base pour aller retrouver le sommet hein, dans un autre plan. C'est-à-dire qu'il faut que je monte en hauteur pour essayer de retrouver le plan. Donc, je vais redescendre ce plan de base et on va essayer de voir ensemble les éléments remarquables. Les faces latérales. Les faces latérales sont celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là et celle-là. Donc, j'ai quatre faces latérales que vous pouvez voir comme ça, donc à travers cette simulation. Donc, j'ai quatre faces latérales. Là-bas, je vous ai montré que c'était un carré. Mais après la face latérale, on a d'autres choses. On a aussi les arêtes latérales. Les arêtes latérales sont celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc, on a quatre arêtes latérales. Les arêtes latérales, ce sont les arêtes qui quittent le sommet
et qui vont jusqu'à la base de notre pyramide. En plus de ces arêtes latérales, on a ce qu'on appelle les arêtes de base. Les arêtes de base sont sur la base. Donc on a celle-là, 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 et hop, on a la quatrième qui se trouve par là. Donc on a quatre arêtes de base et quatre arêtes latérales sur notre pyramide à base carrée. Donc ce sont les éléments remarquables qu'il fallait absolument voir dans une pyramide et donc connaître absolument. Donc numéro 2, définition encore. Il faut bien connaître les définitions, les objets qu'on manipule pour pouvoir bien en comprendre les propriétés. Alors, définition. Dans une pyramide, pyramide, si deux points, la base est un triangle, virgule, on dit que la pyramide est un tétraèdre. Est un tétraèdre. Donc c'est juste un nouveau nom qu'on donne aux pyramides à base triangulaire. Donc si la base est un triangle, si vous voulez, vous dites une pyramide. Si vous voulez aussi, vous pouvez parler de tétraèdre. Donc si la base est un polygone régulier, je vais vous expliquer ce qu'est un polygone régulier, alors la pyramide est dite régulière. Alors, un polygone régulier, c'est un polygone. On a vu tout à l'heure ce qu'est un polygone. C'est une figure géométrique plane qui a plusieurs côtés et fermée. Un polygone régulier, donc c'est un polygone régulier, c'est donc une figure géométrique plane qui a tous ses côtés égaux. Exemple, un carré. Un carré, c'est un polygone régulier. Un triangle équilatéral est un polygone régulier. Alors, si la base est constituée de ce type de polygone régulier, on dit que la pyramide est régulière. Dernière définition à connaître, si la base est un triangle équilatéral, alors on dit que la pyramide est un tétraèdre régulier. Donc je fais un petit résumé. Quand la base est un triangle tout court, on dit que ok, on a une pyramide, on a un tétraèdre. Si la base est un polygone régulier, exemple un carré ou un triangle équilatéral, on dit qu'on a affaire à une pyramide régulière. Si la base est un triangle équilatéral, on dit qu'on a une pyramide, on a un tétraèdre régulier. Donc, je vais terminer par une propriété importante. Propriété. Si une pyramide est régulière, alors ses faces latérales sont des triangles isocèles. Voilà. Donc, dans une pyramide régulière, ok, dans une pyramide régulière, c'est-à-dire que la base est régulière, c'est-à-dire la base est un polygone régulier, un carré ou un triangle équilatéral, dans ce cas, toutes les faces sont des triangles isocèles. Et ils ont d'ailleurs le même sommet, c'est-à-dire le sommet de la pyramide. C'est une propriété assez importante, très utile, qu'il faut absolument connaître.
Et par là aussi, je vous rappelle et je vous invite à réviser les droites et les segments remarquables dans un triangle isocèle, dans un triangle équilatéral et aussi dans un triangle rectangle, parce qu'on va l'utiliser beaucoup dans la suite de cette série de vidéos. Je vais terminer par cet exemple où je prends une pyramide et on va essayer ensemble de déterminer les éléments remarquables dans cette pyramide. On va essayer de nommer les points et donc déterminer les arêtes latérales, les faces et la base. OK? L'objectif de cette vidéo, ce n'est surtout pas de vous faire la représentation graphique d'une pyramide. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais dans cette première vidéo, on va voir les éléments remarquables dans une pyramide. Donc, je vais nommer les éléments de cette pyramide. Le sommet, je le note S. Et je vais noter ici la base par A, B ici, C là et D, le point qui est à l'intérieur, ce point-là. OK? Donc, le sommet. On va dire que c'est le point S. OK? La base, c'est le quadrilatère A, B, C et D. Les arêtes latérales. Les arêtes latérales sont sous forme de segments. Donc, quand on les écrit, il faut mettre des crochets. Donc, on a l'arête SA, SB, SC et SD. On a aussi les arêtes de base. Ce sont les arêtes qui sont au niveau de la base. On a AB, BC, CD et DA, qui sont donc des segments. On a aussi les faces latérales. Les faces latérales sont des triangles. OK. Et aussi on a, ici, on a SA, B. Le triangle S, B, C. Le triangle SC, D. Et le triangle S, S, A, D. Donc, ici, on a quatre faces latérales, quatre arêtes de base, quatre arêtes latérales, une base sous forme quadrilatère et un sommet, dans le cadre d'une pyramide à base carrée. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Il faut absolument connaître ces éléments. C'est quoi le sommet, la base, les arêtes latérales, les arêtes de base, face latérale, et surtout la propriété qui dit que dans une pyramide régulière, les faces latérales sont des triangles isocèles. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut absolument connaître les segments et les droites remarquables dans un triangle. Il faut aussi connaître la définition d'une pyramide, ce qui était l'objectif de cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathEdit pour la suite de cette aventure. Merci. Dans MathEdit, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant.